matin. Dimitri Pavlenko. les place à notre chroniqueuse en absurdie, Emmanuel Ducrot. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Mercredi, jour des enfants, Olivier Marlex, vous avez 820. Hein, il n'est que pour Gaspard Proust, vous, rien du tout. Hein. Bon, vous nous racontez ce matin une histoire qui a l'air de sortir d'un autre temps. C'est une fable que vous allez nous raconter. La bergère, ses chèvres et les loups. Et c'est une histoire qui fait un petit peu peur d'ailleurs. Ouais, je vous plante le décor. La drôme provençale, ses collines rocailleuses. Et c'est là que vit Manon, une toute jeune éleveuse. 120 chèvres, 13 vaches, 2 chevaux, 2 chiens de troupeau, euh, des animaux dehors euh, la plupart de l'année. Un modèle de petite ferme. À cette heure-là, Manon, elle ne nous écoute pas. Hein. Ça fait un moment qu'elle est sur le pont. Elle travaille 65 heures par semaine. Et si son élevage est traditionnel, Manon, c'est une fille d'aujourd'hui. Elle a une chaîne YouTube. Et euh, le 30 août, elle a posté une vidéo. Assez désemparée ce matin-là, Manon, elle est toute seule dans ces collines de la Drôme provençale. Son compagnon est parti et elle nous explique qu'elle ne peut pas emmener ses chèvres au pré comme chaque matin. Elle entend les loups hurler à 200 mètres de chez elle. Ah oui. Ils sont six. Et si elle sort ses biquettes, il y aura un drame, comme autrefois chez M. Seguin. Un, un drame, c'est pas un peu fort quand même. Non, parce que ça, dans cette région-là, chaque semaine, on ramasse des cadavres de moutons, euh, de brebis. La presse locale tient le compte. Et autour de chez Manon, des troupeaux effrayés sont tombés des falaises. Il y a eu des attaques sur des vaches, sept chevaux tués cette année dans le département. Et oui, ça, c'est un drame. À chaque fois, c'est un traumatisme pour les éleveurs, une perte, pas seulement financière, une désorganisation des troupeaux, des avortements, des bêtes qui tombent malades de stress. Oui, c'est un drame à l'échelle d'un élevage. Est-ce qu'elle peut pas se défendre, cette jeune éleveuse enfin, Je veux dire, avoir un fusil, tout simplement, s'il y a des Bien, loups Oui, elle peut pas vraiment se défendre. c'est ça qui la met très en colère. Alors, elle a deux chiens. Elle pourrait en avoir deux de plus. Mais les patous, ce n'est pas des chiens très sympas. Et c'est difficile à élever. Oui. Alors, elle explique, elle explique dans cette vidéo les règles administratives qui régissent son métier d'éleveuse. Elle a le droit de tirer sur un loup. Mais dans une situation extrêmement précise, s'il attaque ses chèvres alors qu'elles sont dans un enclos à trois fils électriques, et protégée par des chiens. Dans ce cas-là seulement. Si le loup attaque ses vaches à côté ou ses chevaux, elle n'a pas le droit parce qu'il n'y a pas le bon nombre de fils à la clôture et surtout parce qu'il n'y a eu aucune attaque de ces espèces dans sa commune. Manon, elle a les larmes aux yeux quand elle raconte cette histoire. Je n'ai pas le droit de défendre mes animaux. Et vous le savez, tirer sur un loup sans autorisation, c'est passible de la prison. Ouais, à vous entendre, la France est redevenue terre de loups. Oh, on n'en est pas là quand même. Alors, officiellement, il y a 500 loups en France, mais mmh. selon les spécialistes, les éleveurs qui regardent les dommages qu'ils causent, il y en aurait plutôt le triple. Ah oui Alors, elle le triple, on ne sait pas exactement. Et alors, un des problèmes qui est soulevé par Manon, c'est une politique de gestion du loup qui n'est plus adaptée à ce nombre qui a beaucoup, beaucoup cru. Alors, elle ne demande pas l'éradication du loup, euh, Manon, c'est pas son problème. Elle veut juste qu'on fasse un vrai comptage et qu'on contienne les meutes, les meutes de loup à trois individus. Parce que là, les chiens peuvent leur tenir tête, après ils n'y arrivent plus. Mais alors, vous savez, pour une partie de la société, la gestion du loup, c'est inadmissible. Il faut le laisser se développer, mmh. vivre sa vie. Bon, Est-ce qu'il y a une morale à cette fable de la jeune bergère et des loups. Et oui, il y en a une. Les loups ça fait rêver une partie de la France qui a un peu perdu ses repères ruraux, vous savez, c'est la vie sauvage à nos portes, mais l'histoire de Manon cristallise toutes nos contradictions. Ce que la bergère pointe, c'est l'ambiguïté qu'il y a à défendre plus ces loups plus les loups que ces chèvres. Essayez de me comprendre dit Manon. Si on ne fait rien, je ferme, c'est la fin des animaux élevés en plein air et de mon bon fromage. Vous aurez des loups mais vous vous plaindrez de manger des produits industriels. Voilà, fromage ou loup, il faut choisir. Merci beaucoup. Enfin, non, il faut choisir. Pas forcément. Mais comptons les loups. Il y a un problème d'immigration clandestine dans la nature et aussi. Ça, il va, semble très vite et un ça loup. va très vite. Merci beaucoup Emmanuel Ducroc. On se retrouve demain.